En selle. Allez BD, rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. On peut pas la pirater pour l'instant. Gentil, Neko. Allez! Zed, t'as l'air comme neuve. En effet, ce mixolode mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Dan Alors? C'est un peu compliqué, mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses, mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? C'est vrai. On a de la place pour toi? Je vais rester ici, mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au Saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc? Un autre holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute-République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Dan Alors. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Un havre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empire galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Greez, on aurait besoin d'un vrai pilote? Non, je sais pas, je veux dire... Tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, Cal. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Bon, je peux éventuellement demander... à Monk de garder un œil sur le Saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous? Mais il y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine, plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous, et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est Serré. Jedha. C'est pas trop tôt, il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. Tiens, le nouveau. Salut. Salut à vous aussi. Si vous cherchez une belle vue, vous pouvez grimper sur les rebords les plus hauts du canyon. Ça en vaut la balade? Je sais pas. J'ai jamais fait le chemin. Trop escarpé. Il y a plein de créatures là-haut. Certaines vous mangeraient même pas. Ça a l'air d'être le paradis. La montée est rude, mais vous trouverez votre chemin. Et vous admirerez la beauté de Koboh, je le sais. Depuis combien de temps les pillards sont là? Quelques années. Ils sont arrivés peu après moi. Je connais pas une planète de la bordure extérieure qui ait pas de pillards. Mais ces fumiers du chaos ont changé Koboh. Les chasseurs savent quand tuer. Mais aussi qu'il faut arrêter quand le troupeau s'amenuise. Ces pillards tuent pour le plaisir. Ça a rendu plein de bêtes beaucoup plus agressives. Les frémipèdes, par exemple. Quand ils perdent leur habitat, ils deviennent territoriaux et se battent. Comme nous, en fait. C'est vrai. Notre plus grosse erreur a été de croire qu'on était différents d'eux. Barman, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai entendu parler d'une espèce de troubadour et de son droïde DJ dans les parages. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Et tu sais ce qu'ils font là-bas? Ils sont partis s'enfoncer dans la vallée pour enregistrer les bruits de la nature. Les bruits de la nature? Ça peut venir de bêtes qui cherchent à te tuer? Les morts ne font pas de musique. Je vais voir si je peux les trouver. Je m'y attendais un peu. Content de t'avoir vu. Voyons un peu ce qu'il y a à l'étage. Cal, je suis ravie de te voir. C'est réciproque, Zed. Si tu trouves les disques de données de mon époque, je les déchiffrerai avec plaisir. J'imagine que beaucoup sont encore perdus sur Koboh. Si on en trouve, on te le dira. Pas mal ce que tu proposes. Eh bien, regarde-moi ça. Bientôt devoir changer les batteries. Oh, hé, c'est toi! On s'est croisés dans la forêt, tu te souviens? Je m'appelle Toa. Je suis historienne. Indépendante. Cal, indépendant aussi. T'as prévu d'autres explorations? Bien sûr. C'est ma première fois au-delà de la bordure médiane. Et je sens que cet endroit est un trésor. Il y a des siècles, les gens étaient impatients de partir travailler sous de nouveaux cieux. Et ils ont vraiment choisi un monde passionnant. C'est passionnant, hein? Au fait, Dis-moi si tu trouves une autre de ces salles, hein? J'irai voir. Quelle vue! Je parie que je pourrais planter un super jardin ici, avec un peu d'aide. Bon, essayons de planter les graines qu'on a trouvées. T'en penses quoi, BD? Ici? Maintenant, on attend. Ça me paraît être l'endroit idéal. Le jardin commence à ressembler à quelque chose. Les graines que j'ai trouvées seraient parfaites dans le jardin. On a l'air d'être bien parti, BD. Cal, t'as vu la cascade près de la forêt, non? C'est pas l'endroit où les pillards aiment aller camper? Malheureusement, si. Ces abominables brutes! Enfin! Cette planète est un joyau dont tout un chacun devrait pouvoir profiter! Donc notre expédition tombe à l'eau? À moins que vous ayez envie d'esquiver des tirs de blaster. Non merci. Y a-t-il un seul endroit sur cette planète où on pourrait s'amuser entre amis en toute sérénité? Il y reste quelques endroits sans pillards, mais Koboh n'est plus qu'à l'été. Je te laisse avec tes nouvelles copines. On se voit plus tard, Cal. Cal, j'ai entendu parler d'une salle de méditation. Tu vas aller voir? Si seulement. Mais il faut être un vrai acrobate pour y accéder et... Je pourrais tenter le coup, Thora. Dixit le type qui escalade des piliers de basalte en autant de temps qu'il me faut pour actualiser mon journal de terrain. Bonne chasse, vous deux. Peut-être que quand tu seras d'attaque, je t'emmènerai au sommet de la cascade. Une cascade? Demandant les Jedi les plus impétueux sauter du haut des cascades. Les choses ont peut-être changé. De mon temps, c'est-à-dire avant les pillards, mes amis et moi on sautait et on allait chercher de la priorite au fond du bassin des Forbans. De la priorite? C'est un minerai rare ici. Si t'es d'humeur, on pourrait y aller un de ces jours. Une sortie entre amis? Oh, comme les activités sociales nous manquent quand on en a été privés pendant 2 siècles. Cal, il faut que je t'avoue quelque chose. Et c'est parti. Cette technologie que je voulais vendre à Rayvis, il y en a d'autres dans la vallée. Un bâtiment en plein milieu, tu peux pas le louper. Du coup, si ça te dit d'aller voir ce que tu peux glaner là-bas, on partage tes trouvailles, 50-50. On verra, Turgle. Vise un peu ce Saloon. Monk n'a pas chômé. Je l'ai aidé en restant à l'écart. Tu savais qu'il y avait même un jardin sur le toit? Oui, je l'ai vu. Tu sais ce que j'aime chez les plantes? Quand je leur parle, elles ne peuvent pas s'en aller. Cal, peut-être plus tard. Cal, t'es vraiment monté sur un Neko? Ou est-ce que Turgle raconte des histoires? C'est vrai. J'ai trouvé quelques Neko dans la forêt. Et t'en as apprivoisé un juste comme ça? T'as un vrai don, Cal. Moi aussi, je suis une amoureuse de la nature. J'ai quelques bêtes dociles dans les écuries de l'avant-poste. Ça fait pas longtemps que je monte. Est-ce que tu pourras me donner quelques conseils? Bien sûr. C'est beau de te revoir en ville, Mozy. T'y habitues pas trop. Tu sais comment je suis. Quand je commence à en avoir marre, je ressens l'appel de l'aventure. Bonjour, étranger. Vous pouvez m'appeler Cal. Non, je ne crois pas. Très bien. Vous ne ressemblez pas aux autres prospecteurs. Non, non, non. Ils creusent en quête de trésors. Tout l'acte creuse en quête de choses autrement plus élusives. Vous gagnez beaucoup de crédit dans ce secteur? La sagesse ne se gâte jamais. Et nul n'en a jamais assez. Le moment est mal choisi pour parler. Bien, installe-toi au bar. Hé, Monk. C'est bon de te voir, Cal. Depuis combien de temps tu connais Baud? Pas longtemps. On a travaillé ensemble sur Coruscant. Vous travaillez dans quoi exactement? Un peu de ci, un peu de ça. Je vois. N'en dis pas plus, Cal. Je sais quand il vaut mieux éviter un sujet. En fait, ça me rappelle une expression imagée de Calastar. Si tu te tiens sous le nid de l'oiseau Presta, la pluie tombera même dans le désert. Et quand la pluie arrive... Tu ferais mieux de t'écarter. Tu devrais partir avant que Greez change d'avis. J'imagine que ça le stresse de reprendre sa place de pilote. À plus tard, Monk. C'est bizarre, un peu plus tôt, je faisais un petit tour tranquille et... Ça me surprend de toi. Je fais ce que je veux. Bref, j'ai vu un drôle de duo se balader de l'autre côté de la vallée. L'un était grand et silencieux, l'autre petit et bavard. Ils étaient en train d'inspecter une carcasse. J'ai tout de suite pensé à toi. Je l'ai mérité. T'as l'air tout droit sorti d'un monde du noyau. Ça fait plaisir. Vous venez du noyau? Je plaide coupable. J'ai étudié l'économie galactique auprès des plus brillants esprits de Coruscant. Les mêmes esprits qui ont disparu dans l'anonymat alors que de vraies opportunités frappaient à leur porte. De vraies opportunités? Oh, tu sais, le commerce exonéré, les importations extrajudiciaires, ce genre de choses. Ah, vous voulez dire de la contrebande? Cette galaxie ne demande qu'à te remplir les poches. Tout ce que t'as à faire, c'est lui obéir. Une autre fois, peut-être. On s'arrête. Eh ben, vous en imposez carrément. Ah oui? Ouais. On dirait que vous avez peur de rien. Vous pourrez peut-être régler notre problème. Il y a une cabine nichée près des grottes. Les gens du coin l'appellent l'atelier de Cui. Qu'est-ce qu'il y a dans cet atelier? Du malheur. Et peut-être aussi des trésors, à ce qu'on dit. Ça vaut peut-être le détour. Salut, toi. Merci, toi. Je me demande depuis quand c'est là. Salut le nouveau. Et vous allez bientôt passer à la cantina? Sûrement. Je vous défie de mettre un boulon d'entrave sur Monk. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce qu'il refuse de me servir. Rien, que dalle. Je le paierai quand j'aurai des crédits. Alors, c'est qui cette Serré qu'on va aller voir? Ma mentor. Elle m'a sauvé de l'Empire sur Bracca et elle m'a fait traverser la moitié de la galaxie. On dirait que vous avez vécu pas mal de choses ensemble? C'est le cas. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. On y va? 3 ans mon expérience. Il vaut mieux suivre une piste tant qu'elle est fraîche. Je l'ai pas utilisé depuis la décharge sur Bracca. C'était un cadeau de prof. Greez, je t'ai bien entendu parler de poisson burat au curry? C'est exact. C'est un plat latéraux. Je l'ai pas utilisé depuis la décharge sur Bracca. Mais j'adore leur gastronomie. C'était un cadeau de prof. Chaque fois que je bois un plat latéraux, la boîte à outils de Cordova sur Bogano. Enfin, ces affaires doivent toujours être là. Ah, attends. Tiens, quand ça sur Jedha. Cette plume d'oiseau chiot est censée porter chance. Grand-mère Pailoun. J'ai hâte de goûter ça. C'est la salière de Greez. Mais où j'ai mis le poivre? Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. Ça te fait quoi d'être de retour sur le Mantis? Ça fait plaisir. J'ai envie de faire un curry de poisson bourre. La cuisine a l'air en meilleur état que le reste du vaisseau, petit gars. Oui, depuis que t'es parti, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ah bah oui, je le vois bien. Le stock d'épices a pas bougé d'un poil. Est-ce que tu t'es fait un seul plat correct ces dernières années? En cuisine, je t'arrive pas à la cheville, Greez. Et pour le pilotage, je t'arrive peut-être à l'épaule. Oui, ben c'est très gentil, mais à la première occasion, je te fais une assiette de hachis sombre de grand-mère Pailoun. Mon plat préféré. J'ai hâte. Alors, on retourne sur Jedha ou bien? Bacta? Vraiment? Les latéraux supportent mal le froid, tu sais. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jedha. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Serré se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les Anachorètes. Hein? J'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jedha. C'est Serré. Je l'ai prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holoprojecteur. Hé Cal, regarde l'holoprojecteur. On a un appel de Jedha. Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. Serré est là? Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi, elle envoie quelqu'un d'autre? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. Bon. Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Fais attention là-bas. Essaie pas de jouer au héros, d'accord? Greez, est-ce que tu racontes des histoires sur moi? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, petit. Bonne chance. Désolé, petit gars. Impossible de s'approcher plus près avec cette tempête de poussière. Le point de rendez-vous est plus très loin. Restez là, vous deux. Je vais trouver le contact de Serré. J'assurerai la sécurité de Greez. Greez Dritus a pas besoin de babysitter. Quelqu'un a besoin d'une sieste. Fais gaffe! Fais attention à toi, là-bas. Allons retrouver l'escorte de Serré. Le point de rendez-vous est droit devant. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Jedha. Pas mal. Allons voir. N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. Salut. Mieux ça. mon job. Je poursuis les ennemis. Subis des dégâts. J'attaque. L'action finale. Activation des bombes. L'ennemi est imprévisible. J'espère que... Ah! Je comprends pas. C'est un écho de la force, mais incomplet, endommagé. Et ça ne l'a pas réparé. Quoi que j'ai fait, ça n'a visiblement pas aidé. L'écho est encore là. Je peux y arriver. Je ne te laisserai pas pour préparer nos plans. Chiffre molle. Avancez. Tu crois qu'il va tenir? Laissez un peu ça. Tire de roquette, déployez-les. Pas dans c'est parti. Mais qu'est-ce qu'ici? Tire en cours. Mais c'est moi. Tactique aérienne. Je ne l'emporterai pas. Tu m'apprendras pas de pouvoir. À ton tour. On meurt tous. Les temps. Je n'échouerai pas. Et ce sera fait. Allez, à l'attaque. Tu me le perds. Maintenant, BD. Allez. Bien tenté. Surprise. Roulant. J'ai pris des dégâts. Vole ça. Tout va brûler. Allez, tiens. L'écho est encore là. Je vise la cible. s'amuse. C'est ça, enfuis-toi, lâche. Tu meurs comme les autres. C'est bientôt terminé. J'ai besoin d'aide. Comme tu veux. Prêt au piège. Et une brochette de Jedi. Raté. Allez, finissez-en. Ah, comme les autres. Ah, ça n'a pas marché. L'écho est toujours là. T'en fais plus pour moi. Battez-vous, lâche. Lâche, rien. Ah, ouais. C'est désolé. Steve. Par ici. Pathétique. Oh, c'est fini. Francisquez la puissance de feu. Agile. Vite, Steve. Ça fait quoi si il est ensemble? Allez-y. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Il est en train de s'échapper. Je vais te ton sang. Je vais t'exterminer. C'est ça. Cours. Roland, c'est pas le poids. Je vise la cible. J'ai besoin d'aide, BD. Allez, montre-moi ta puissance. Ça n'a pas marché.